les plus hautes autorités de l'État, le président de la République et le Premier ministre, ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement étrangers participeront à cette manifestation. Comme vous pouvez le constater, ce sont des moyens exceptionnels en raison de l'ampleur de ce rassemblement, de sa signification, de son sens hautement symbolique et du contexte que nous prenons pour assurer le bon déroulement d'une manifestation qui doit permettre, dans le recueillement, dans le respect, à tous les Français qui souhaitent s'y rendre, de penser à ceux qui ont perdu leur vie, assassinés par le terrorisme. En raison, ensuite, de l'ampleur de la mobilisation populaire attendue, puisque les chiffres prévisionnels avancés par la préfecture de police se montent à plusieurs centaines de milliers de personnes. Il s'agit là d'une réaction de sursaut républicain, de rassemblement, qui mérite une fois encore d'être souligné. Le plan Vigipirate sera maintenu au niveau alerte attentat en Île-de-France. Cette mobilisation permet notamment de continuer d'assurer la protection d'un grand nombre de sites sensibles. Je pense notamment au siège des médias de la presse écrite, audiovisuelle et radiophonique. Je pense aux lieux de culte et à certaines écoles confessionnelles, aux bâtiments publics et aux représentations diplomatiques. 2000 policiers et 1350 militaires seront mobilisés dans ce cadre, dans Paris, mais aussi sur le reste de l'agglomération parisienne. Enfin, je rappelle que des manifestations auront lieu demain dans toute la France. Dès aujourd'hui, 700 000 de nos concitoyens ont défilé sur l'ensemble du territoire national, à Toulouse, à Nantes, à Marseille, à Lille notamment, à Bordeaux, à Rennes, à Lyon, à Montpellier, à Clermont-Ferrand et Grenoble, qui font partie des villes qui, comme à Paris, demain accueilleront de nouveaux cortèges.